Alors, dans votre cas aussi, l'adoption est un sujet qui vous touche depuis que vous êtes enfant. Comment vous imaginiez votre vie future quand vous étiez petite fille? Quand j'étais petite fille, je disais toujours à mes parents, à ma maman, que j'aurais des enfants de toutes les couleurs. Je le disais tout le temps. Et un peu plus grande, je disais que j'aurais un mari riche qui m'en ferait beaucoup et on en adopterait beaucoup. Je voulais grande famille. Ouais. Bon. Ouais. Alors, que Muriel, vous avez rencontré l'homme de votre vie, vous êtes tombée enceinte. À combien d'enfants avez-vous donné naissance, vous? Donc, on a eu deux enfants, Antonin qui est né en 97 et Pierrine qui est née en 99. Alors, vous ne comptiez pas vous arrêter là. Vous avez décidé de mettre en route le petit dernier, mais ça ne s'est pas passé comme prévu. Non, malheureusement, il s'est passé des années. On a attendu, on a essayé pendant 4-5 ans de faire le petit troisième. Et puis, on a appris que mon mari ne pouvait plus avoir d'enfant. Ça a été un gros coup de massue, c'était dur. Mais bon, il fallait l'accepter, c'était comme ça. J'avais déjà eu la chance quand même de porter deux enfants. Donc, on était déjà à moitié comblés. Alors, j'imagine qu'à ce moment-là, l'idée de l'adoption est revenue sur le tapis, si j'ose dire. On n'en a pas forcément reparlé. C'est lui qui a pris un jour la décision, mais pas tout de suite. Il a eu un petit déclic. Et il y a eu une fois, un matin, sur son lieu de travail, il a des clients qui sont venus avec une petite fille qui venait d'arriver du Vietnam. Ouais. Et il a craqué parce que il se rappelle toujours le papa, faisait que de lui dire, lui a raconté l'histoire de l'adoption de sa fille. Et, et il faisait que de lui dire, tu verras, on ne peut pas le décrire, adopter, c'est quelque chose d'indescriptible. Il faut le vivre pour comprendre. Et il est rentré le soir et il m'en a parlé. Alors quand il vous en a parlé, comment vous avez réagi? C'était un week-end de fête des mères, en plus, un samedi soir. Et il me dit, écoute, lundi, tu téléphones au conseil général et on adopte.